لي موتيناري وين تينيري اللانغ كلتا معشق تينيري سالي دوزيور دونك تيناري وين سي لو بلوريال دو دوزيور بليزيور تينيري لي تيناري وين فوالا
désert, il nous manque, c'est sûr. De toute façon, c'est au désert qu'on fait tout. C'est au désert qu'on habite, c'est au désert qu'on compose, c'est au désert qu'on expire. Je crois que c'est comme ici, quoi. Et chacun, il a juste la partie qu'il inspire dans la vie. Pour nous, c'est le désert. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il nous manque. Pour moi, c'est quelqu'un, chaque personne dans la vie, il fait sa musique. Parce que chacun parmi nous dans la vie, il fait quelque chose pour s'exprimer ce qu'il ressent profondément. Donc, il y a ceux qui font la guitare, il y a ceux qui font la danse, il y a ceux qui font la peinture, il y a ceux qui font les tailleurs, il y a ceux qui font les sons comme ça dans les studios. Tout ça là, c'est une façon d'exprimer quelque chose qui te ressent. Donc tu choisis cette destination pour l'exprimer. Voilà, donc la musique, ça signifie que pour moi la même chose. C'est ça ma façon de s'exprimer, ma philosophie dans la vie. Pour montrer ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas dans la vie, c'est ça le chemin pour montrer, ça c'est la musique.
Donc il y a d'autres qui font la poésie pour se montrer aussi, s'exprimer, ce qu'ils ressentent. Il y a d'autres qui font des armes, il y a d'autres qui font des voitures. Tout ça là, c'est une façon de montrer qui tu es dans la vie, un peu ça quoi. Donc la musique, ça signifie que pour moi, un moyen, si c'est la musique qui t'y fait, pour moi, c'est la seule façon pour moi préférée de communiquer avec le reste du monde, de s'exprimer, moi, ce que je pense, ce que je vois, ou ce que je souhaite. Donc là, de là, la musique, ça signifie pour moi, c'est mon fusil, c'est mon espoir, c'est ma force pour franchement montrer et véhiculer ce que je veux, quoi. C'est ça que signifie pour moi. Je crois que tout Touareg, si tu veux la vérité,
toute personne qui parle tamashek, il est attiré directement par la musique, puisque elle parle de tout ce qui veut dire la souffrance chez nous, l'amour, le désert, les problèmes qu'on a là-bas, tu vois, les problèmes d'eau, les problèmes de sécheresse, les problèmes. Je crois que c'est, je peux te dire, c'est la première musique touareg qui est influencée chez nous là-bas, c'est la musique de Tinariwen. Donc, c'est dit aux gens qui sont partis en exil en Libye, en cherchant du travail. Et à un moment, ils se sont dit, bon, voilà, il faut qu'on parle de nos problèmes dans la musique. Donc, et la musique, elle est venue comme ça, elle est venue avec une force qui a blessé presque beaucoup de gens, qui a touché beaucoup de gens, quoi.
Bah écoute, en général, quand tu arrives à s'exprimer quelque chose qui te ressent, là tout de suite, dans le côté des astrémas, tu vas choisir un astréma pour exprimer ce qui te ressent. Donc moi, au moment où j'ai envie d'exprimer ce que je ressens, parce que je ressens quelque chose comme une envie de faire la musique ou autre, l'astérima que j'ai trouvé qui me plaît, c'est la guitare. Le son de la guitare qui m'a excité, qui m'a touché pour s'exprimer, moi, ce que je ressens. Donc c'est pour cela que j'ai choisi la guitare. ديوان ما تنم دوا ودانا سمنتني ريدين تسنم انت دومت ويم تقلم La musique, c'est un bon moyen pour communiquer le reste du monde. Parce que quand tu écoutes la musique africaine ici, à Suède, là, ça t'amène une bonne relation entre toi et l'Afrique. De temps en temps, tu peux tomber sur de musique, des musiciens qui t'aiment beaucoup, jusqu'à ce que ça va te pousser de connaître leurs origines, leur contrée, leur façon, tu vois, ça peut t'amener jusqu'à même connaître leur famille, leurs histoires. Et là, c'est un échange. Parce que sans ça, il n'y a pas de grand-chose sans, si ce n'est pas la musique qui peut t'amener jusqu'à ce niveau. Donc, de ce côté-là, la musique, même si elle ne change pas le monde,
ça peut apporter quand même une très bonne relation entre les mondes. La musique en fait aujourd'hui, bon, si tu veux la vérité, c'est l'identité, c'est une musique de la résistance. C'est une musique de lutte, de passer le message, que ce soit dans la communauté Touareg ou à travers le monde. Ok? Donc, les relations entre la musique et nos origines, c'est que nous, on parle beaucoup de ce qui se passe pour notre communauté, pour les peuples du Sahara, que ce soit en Algérie, ou au Niger, ou au Mali. Yeah.
Quelque chose qui nous tâche avec les déserts parce que c'est chez nous. Ça, c'est un. Et la deuxième fois, c'est un endroit aussi dans lequel il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de joie. Et voilà, c'est notre territoire depuis des centaines de siècles. Et puis, on a accepté, on était d'accord sur tous les éléments du désert. De temps en temps, il y a le soleil, de temps en temps, il y a le vent, de temps en temps, il fait très froid, de temps en temps, il y a manque d'eau, de temps en temps, il y a pas de médicaments, il n'y a pas assez de communication. Mais tout ça, là, nous, on a accepté. Donc finalement, ça n'a plus quelque chose de grave pour nous. Manque d'eau, on manque de santé, on manque de qui que ce soit, parce qu'on l'a accepté comme il est. Donc à la fin de compte, on est fiers de ça.
Bon, c'est la chose, le message que je voulais toujours passer à travers le monde, c'est que nous sommes une communauté nomade dans le Sahara qui n'a pas beaucoup de relations avec le reste du monde. Donc, mais par contre, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Par exemple, tous les événements qui se passent chez nous, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas des organismes internationaux qui font attention vers chez nous. Et pourtant, on est la même chose que le reste du monde. On ressent la vie, on regarde ce qui se passe en Suède ou à partout. Ça nous fait du mal quand ça fait mal. Quand ça fait du bien, ça nous fait du bien, tu vois. Donc on ressent la même chose que le reste du monde. Mais pourtant, quand on a des problèmes, on ne voit personne. Si ce n'est pas nous qui viens ici, personne ne vient chez nous pour regarder ça. Il y a de toute façon 63, 73, 85, 90, ta, 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 ta. Et toujours il y a des massacres, des gens qui moururent de faim, de soif, des maladies, ta, ta. Mais jamais tu vois un organisme qui essaye de regarder ça. Il n'y a rien. Tu ne vois pas la HCR, tu ne vois pas la Croix-Rouge, tu ne vois personne. So
relation entre la musique et la guerre, c'est que la musique, des fois, elle aussi, c'est une guerre contre la guerre. Donc, cela veut dire la musique, c'est une solution contre la guerre, ou aussi de se révolter pour avoir les revendications, ou bien comment dire. C'est dans la société où tu vis, ou bien dans le message que tu veux que les gens l'écoutent. Donc, les rapports entre la musique et la guerre, c'est quelque chose en commun, mais qui, des fois, qui se sépare dans l'objectif. La musique, des fois, elle sensibilise les gens d'aller vers les bons chemins. C'est ça l'avantage de la musique par rapport à la guerre. Et la musique, ses armes, ils sont plus forts que l'arme de la guerre parce que c'est un son qui va toucher l'âme de la personne. C'est pas la même chose de peur et des trucs durs. Je pense que la lutte armée, c'est pas une solution aujourd'hui parce que les problèmes qui se passent chez nous, c'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème des années 50. C'est après, quand la France est partie. Quand la France est partie, elle a partagé les frontières sans faire attention aux populations qui habitent dans ces territoires. Et c'est ça qui a mené ces problèmes. Des années après, en 1963, il y avait une rébellion touareg. 1991, il y avait une rébellion touareg. 2006, 2008. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la propagande des États qui ne veulent pas que les Touaregs, ils vont avoir leur indépendance. C'est pour ça qu'ils envoient des terroristes, des trucs comme ça, des trucs de la folie. Et je ne pense pas que ce n'est pas le moment de la guerre, c'est le moment de se parler. Parce que la vérité, tout le monde le sait. Et les Touaregs, ils ont un pays. Depuis 50 ans, ils n'ont pas le droit d'avoir leur pays. Donc c'est ça, c'est très simple. C'est le temps de négocier, de bien réfléchir. L'avenir, pour nous, il est aveugle aujourd'hui parce que on est dans un moment très, très difficile. Parce que tout est mélangé dans le monde, c'est pas que chez nous. C'est partout, il y a ça. Et on ne comprend pas comment tout ça se passe. On fait l'hommage, c'est pas que chez nous, partout, même à Bamako, par exemple, à la capitale du Mali aussi, il y a les désordres, partout aujourd'hui dans le monde. Et nous, particulièrement, c'est très compliqué parce que ce qui nous inquiète beaucoup, c'est toutes ces populations qui sont réfugiées en Burkina, des milliers de personnes. Il n'y a personne qui les aide. On est en conflit avec l'État, il n'y a personne qui aide même les réfugiés. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc on espère, on a l'espoir qu'un jour, cette douleur, ça va passer.
Que les Touaregs ils vont avoir leur liberté parce que tout le monde aime la liberté, donc même les Touaregs ils ont des cœurs, ils ont des sentiments pour avoir ça. Ils sont un peuple aussi qui est très utile. Par exemple, les déserts c'est populé par les Touaregs. Maintenant, tout le monde entier cherche que le pétrole iranien. Si les Touaregs disparaissent, même les déserts, ça va disparaître. De toute façon, il n'y a personne qui peut vivre là-bas aujourd'hui que les Touaregs. Parce qu'avant, ils disent les Touaregs, ils peuvent supporter ça, ils sont forts. Mais là, même les climats ont changé 60 degrés, ou bien 50 avec toute la pollution d'uranium et tout ça. Donc, déjà, on est menacé climatiquement. Et là, on voit que tout le monde commence à réfléchir comment obtenir les sources. Et ça, c'est un très dangereux. Oui, moi, je voulais dire vraiment que à tous les gens qui ont des cœurs nets et qui ont des esprits sains, de regarder cette situation en clair et essayer de nous aider, même si on est aveugle, de nous montrer les chemins. On est prêt à parler, on est prêt à écouter. De toute façon, dans toute notre culture, on est comme ça. On est prêt à partager, donc c'est les moments que les gens vraiment... On a toujours attendu la main pour les gens, mais on n'a pas vu personne encore. Et là, on est en plein situation compliquée. On a une guerre avec les terroristes. C'est l'ennemi du monde. Donc, je ne comprends pas comment tout le monde ferme les yeux. Et tous ces intérêts qu'il y a chez nous, l'uranium, le pétrole, nous, on peut le donner aux gens gratuits. On fait l'échange juste avec la liberté. On cherche que de l'eau dans le désert. On les donne tous les pétroles. Juste on vit comme tout le monde. C'est tout. سنغزر دروت تنقرا مبردين الزهر.
Thank you. Thank you.